Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. J'espère que vous avez envie de cuisiner parce qu'aujourd'hui on va faire un caramel beurre salé. On va faire une recette bretonne, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Le caramel au beurre salé, c'est très simple. 40 cl de crème fraîche entière, 200 g de sucre semoule, 100 g de beurre demi-sel. Je vais commencer par faire chauffer ma crème sans la faire bouillir. Et la crème est chaude, je la réserve. Dans une autre casserole, je vais mettre les 200 g de sucre avec un petit peu d'eau pour l'humidifier. Et on va faire le caramel avec. On va laisser cuire le caramel jusqu'à ce qu'il obtienne une belle couleur blonde. On le laisse cuire par lui-même. Inutile de remuer, on risquerait de le faire cristalliser. On a obtenu un beau caramel bien blond, donc j'ai coupé le feu. Et hors du feu, je vais y ajouter le beurre. Alors attention aux projections, toujours. Alors déjà, ça dégage une super odeur. Tu sens, Enzo? Ouais, c'est trop bon. Alors, on a des petits bouts de caramel qui cristallisent sur les côtés, mais c'est pas grave, parce que comme il va y avoir une recuisson avec la crème, eh bien, ces petits bouts de caramel vont fondre. Je vais ajouter la crème. Et on va retourner sur le feu en remuant régulièrement. Alors, le caramel est très liquide, ce qui est normal, puisqu'il est encore très chaud, mais quand il va refroidir, eh bien, il va prendre sa consistance de caramel beurre salé, à savoir qu'il sera beaucoup plus... épais. Déjà, elle a une belle couleur, là, ça fait vraiment envie, ça sent super bon. Alors en fait, ben, la couleur va changer au fur et à mesure que la cuisson va avancer, il va brunir. Donc ben, quand il aura atteint la couleur qui me plaira, eh ben, je couperai le feu et puis on pourra le mettre dans un pot et au réfrigérateur. Voilà, le caramel beurre salé est resté au frigo quelques heures. Regarde, voilà ce que ça donne. Nickel, il a bien épaissi. Il est super onctueux et super brillant, là, je sais pas si tu vois bien. Voilà. Donc, ben, avec ce qu'on a fait, on a fait à peu près l'équivalent de 3 pots comme celui-là. Donc, on va pouvoir même faire des euros autour de nous. Et puis, ben, à mon avis, on va pas les garder longtemps, hein, vu comment c'est bon. Bon, ben, il n'y a plus qu'à, alors, à table. Voilà, normalement, aucun souci pour réaliser cette recette tout seul à la maison. Simplement, faites attention à la cuisson de votre sucre de façon à ce qu'il ne soit pas trop brun, pas trop foncé, car il risquerait de développer un goût qui ne serait pas très agréable. Sinon, pour le reste, vous avez vu, c'est l'enfance de l'art, il n'y a rien à faire. Voilà, bah, j'espère que tout cela vous a plu. N'hésitez pas à partager cette recette sur vos réseaux sociaux préférés. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Thank you.